Gros petit proverbe créole qui dit, pied coûte, prend devant. Et c'est exactement ça, premier ministre canadien Justin Trudeau a fait dans moment là dans le dossier Haïti. 23 24 mars, cap gen pour venir là, président américain Joe Biden gen pour débarquer dans pays Canada. Et bien, s'entendez à la tête Justin Trudeau chaud, et hier, dans l'assemblée publique qui a fait dans pays Canada, et bien, c'est lui-même qui a demandé en moi aider Haïti, secours aider Haïti. M'pa konn sou la vidéo, m'pa konn sou tan de dernière déclaration premier ministre canadien. Et bien, m'pa le voir tout détail yo nan bon ti mamite rete là. Ça pour rien. C'est kounye haïtien pral wè jan yo mele. Jan peyi an la gen tan kon savann. Mini justisan Emily Prophète Milsel pale. Madame nan tellement pale l dé pale. Et nan dernière déclaration madame nan fait là, non seulement li montre Haïti pa gen moun kap dirije l, li mette tout ou ni pouvoir l'état, mais tout li profite avili yon paquet pays ki di yo se pays zanmi Haïti et pourtant ki pa fè yon merde pour aider Haïti sorti dans situation li la. Nan espace libre opinion, n'a gagné pour partager avec ou yon interview que ancien DG la police Marion Andresol li réalisé. Question en pile moun a posé, est-ce que PNH pas capable porter solution à problème nous gen la grand banditis gang kap terrorise population, ou bien est-ce que c'est vrai ou pas vrai PNH en bay résultat, ou pral gagné réponse yo nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous êtes? C'est un grand plaisir pour me là avec nous aujourd'hui, comme d'habitude, pour me porter émission par nous, pour nous qui parle autre que mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un grand privilège pour nous parler pays, pour me porter information, pour traiter information, dans l'idée pour nous rester connectés à tout détail qui a dominé l'actualité. Si vous faites tomber ce channel là, ou sous taxe 609, tout haïtien connecté, sous son haïtien, faut qu'on connecté, parce que là, on a besoin d'un bon genre d'information. Et je dis là, on a profité, souhaité une joyeuse fête d'anniversaire à qui ont l'autre fanatique émission, ont l'autre fanatique plateforme, nan, qui a fêté un nouveau printemps, Hermano Alexandre, un haïtien conséquent, un garçon vaillant, qui lui-même, je dis, li a fêté anniversaire de naissance, n'a souhaité là dans toute équipe mon éditorial là, non non pas moi m'a souhaité long joyeux fête d'anniversaire mon frère mon ami, profitez de journée, enjoy, continuez faire ça qui positif, continuez faire tout ça qui dépend de vous pour atteindre objectif, parce que ça extrêmement important non seulement pour vous mais m'croi li important pour tout le monde qui proche ou qui dans entourage ou. Tout le monde est important pour vous. Donc, journée en c'est journée, aujourd'hui en c'est jour lié, manger gâteau, couler champagne, enjoy, pas quitter aucun monde contrarié. Et ma profite souhaiter à tout le monde qui a fêté un anniversaire de naissance, un anniversaire spécial, une date spéciale. Eh bien, joyeuse fête. Continuer dans le même esprit de positivité, en continuer à faire ça qui est bon, ça qui est bien, pour nous atteindre objectif. Eh bien, mes amis, tellement d'informations en pile, pas de camper, n'a tout rentré dans le moment de l'information pour qu'on ait exactement qui ça qui a dominé l'actualité. Mes amis compatriotes, frères et l'homme dit nous, quand nous plus grave que ça nous pensait, ce n'est pas menti, je ne pas une deal pour me faire nous peur. M'pa vin dil pou mette nou non incertitude, pou me stresser nou davantage, pou me lager nou nan dépression, mais son réalité liée, son vérité liée. Eh bien, ministre justice Ayan, Emily Prophète Milsel, qui t'a participé nan yon émission hier lundi 13 mars 2023 nan radio Magic 9, li passé près de 1 heure de temps, t'a parlé avec journaliste yo, t'a posé le question, t'a répondu. Mini justice sol pas de printemps pour le mettre tout ou ni pouvoir l'État, pour le montrer incapacité qui gagne dans l'État. Et hier, nous faisons émission, côté que nous avons parlé de faillite l'État, eh bien, c'est exactement ça, ministre reprend. Pas rien qui pral étonner nous, pas rien que ministre dit déjà de pouvoir l'État, de autorité en dedans l'État, ça, que nous pas de connaître déjà, mais que l'autre bagaille qui sorti dans la bouche ministre, peut-être yon moun ki nan tête ministère de la justice qui a travaillé de concert avec la police pour mettre sécurité en dedans pays, qui a travaillé de concert avec CSPN, avec l'état major la police pour garantir liberté circulation chaque grenadien,
Et puis pourtant de se nan bouche li. Genre de déclaration ça yo ap sorti. Pourtant de se nan bouche li. De série de paroles ap sorti. Ou même qui a ici ka vivre de dans pays yon. Se question ap pose te tout. Se jou ap konte, se gade ou ap gade ki koto ka ale pou ramase ti paquet ou pou kite pays ya bay neg yo. Parce que yo pa regle an rien. Le acteur de ministre qui a parlé hier, eh bien, pour ministre de la justice et de la sécurité publique, et mli prophète misé, pas gen ni équipement, pas gen ni zam, pas gen ni formation, allez ouais, pour renforcement PNH là, qui gen pour arriver très bientôt, qui ta gen pour arriver à court terme. Ça veut dire, on a parlé de à court terme, il était qu'à 3 mois. Il te ka nan yon mois, il te ka nan 15 jours, il te ka nan 22 jours. Eh bien, nan agenda ki gen an dedans ministère de la justice et de la sécurité publique, nan agenda ki gen an dedans direction générale la police, nan agenda ki gen an dedans inspection générale la police, et ça même binu gen nan men lan, pa gen question de ni équipement, pa gen question de ni zam, pa gen question de ni formation ak renforcement pour PNH qui inscrit nan yon avenir proche. Donc, si bagay sa yo, tout ça qui pou ta aide PNH fè face avec gang qui gen la an dedans pays yon, tout promesse États-Unis à Canada ba nou la, sou sa ki gen pouwe avec sécurité an dedans la République. Tout bagay sa yo n'a considéré le comme bluff, n'a considéré le comme manguet. 18 blindés, l'État haïtien te commandé dans mes pays Canada, jusqu'à présent yon pas en mesure pour yon fournir nous 18 blindés. C'est pas contre goutte. C'est petit parti pa yon ba nous blindés. Alors que Justin Trudeau, nan bo pal ki sa te fait, il fait plusieurs déclarations côté que dans un premier temps, yo augmenter volume, yo monter volume moun yo sanctionné en Haïti, yo rive au total à 17 ou 18 sanctionné. Yo promet nou yo pral voye avion militaire qui pral survoler l'espace et géographique pays d'Haïti, yo voyon CP-140 Aurora, après ça vinn dans les boum, c'est un avion qui cartographie l'en mer. Yo promet nou yo voye navire de guerre. Bon, nous pas connait si c'est si c'est la pêche yo vinn faire, yo rete sous la mer pendant deux navires yo débarqué là. C'était époque te gen laissé frapper, te gen guerre qui reprend entre GPEP ak G9, Gebelè, Gersolino, etc. Qui ça yo te fait? Qui efficacité sanction que Canada te prend? Qui efficacité sanction que États-Unis te prend en moment là? Yo pas utile yon merde, yo pas utile anyen. Puisque bouton insécurité, volume insécurité, li au plus haut. Li nan pire au niveau. Donc la dame a tellement dit, li dit tellement bagay, li parle tellement causé, ou vin ouè madame nan li parou nan bouche, tant qu'on zombie qui, comme si kap déblatere la parle, parole li ouvin sans, parole li ouvin sans sel. Li ale plus loin, mini justice nan ale plus loin pour le faire connaître que. Pays sa yo ki di, yo se zanmi Haïti, pays yo yo pale de Haïti, yo voye délégation en Haïti, yo voye mission en Haïti, mais pa jam gen youn ki pren yon décision concrète pour aider Haïti. Il parle, mais il ne font rien pour aider Haïti. Ça, c'est ça, mini justice, ça, laissez nous comprendre. Hier, on a interview que ta baye nan Magic 9 la. On y a par rapport avec déclaration ministre justice hein? Question pile mon a posé qui ça madame nan rete a fait toujours dans tête ministère de la justice si justice ak sécurité paysan c'est sous compte blanc nou la gueule et gros ami hier tout qui te posé question ça qui dit Yannick mais écoute nous pas ka autorité dans pays nous yo pas ka la sécurité paysan sous nou étranger pas ka la sécurité haïtien sous nou blanc pas ka la sécurité peuple haïtien sous nou étranger c'est bloc pour une faire c'est bloc pour une aider etc. Mais honnêtement bon dit nous on bagay honnêtement bon dit nous on bagay nous revenons dans situation là si n'a regarde réalité ça n'a vivre dedans pays d'Haïti mes amis nous gè PNH nous gè l'armée d'Haïti nous gon embryon l'armée nous gon ti l'armée
PNH, c'est lui-même qui est opérationnel. Nous, clair sous lui, je ne dis pas, j'ai une sécurité en là, j'en nègre, j'ai fini gangsterisé pays, pour quantité gang qui occupe espace géographique de pays, travail la vie notre gens, et difficile pour PNH. Pas impossible, mais vient difficile pour PNH. Mais, c'est même international, ça, c'est même États-Unis, ça, oui, qui mettait en bas vos armes sous PNH. PNH, la police nationale d'Haïti, pas une liberté pour acheter des armes, j'en ouvre les gens hôpitaux. Non, non! Yo pas qu'à faire. PNH, direction générale de la police, décision à prendre au conseil des ministres. Yo pas qu'à un bon matin pour yo lever, pour yo dire, yo pral acheter fusil d'assaut, yo pral acheter lance-roquette, yo pral faire ceci, yo pral acheter drone militaire pour l'armée. Yo pas qu'à faire. La médaïti, ou état major, la médaïti n'a pas qu'à réunir, non? On boit après-midi pour yon dit, yon pral décide d'acheter chablende, yon pral décide d'acheter leur socket, yon pral décide d'acheter ceci, yon pral décide d'acheter cela pour la médaïti. Qui Haïti? Qui la médaïti? Qui police nationale? Bon nous gen bago, c'est même pays sa yo! C'est pays qui se dit amis d'Haïti, c'est yon même encore, oui, qui mette en bago, qui mette restriction. Sous capacité militaire, sous capacité la police nationale d'Haïti gagne pour yon matériel adéquat, gen bon jan équipement pour al casser dans bandi, pour al mettre pipe dans tabac, al mettre tabac dans pipe bandi. C'est même yon même. Joune jodi, si yon mette restriction, si yon mette balise sous PNH nou, yon mette balise sous l'armée nou, c'est parce que yon pare pour yon assumer responsabilité yon. C'est parce que yon pare pour yon assumer défaite, pour yon assumer échec que PNH li même chaque jour accumulé. Donc c'est ça, c'est le genre de débat ça qui pour commencer fait. Pour nous commencer à caler genou sous pays ça yo, pour nous commencer à caler genou sous moun ça yo, qui joune jodi en mette nous dans sa nia parce que gros ensemble de décisions yon pren pour pays d'Haïti qui par intérêt paysan. Oui, nous ka comprendre de dans PNH yon dérive. Si m'tad ou pa yon dérive, yon dérive. Parce que en pile fois, yon de série de zam, yon de série de équipement kap commande pour PNH, mais li pa arrive jeune policier ou vrai. Parce que yon de série de nèg qui en de dans la police, qui gagne entreprise sécurité privée yo. Le yon commande zam, nan zam nan ajouen entreprise privée yo. Le yon commande gilet pa bal, nan ajouen sécurité privée yo. Le yon commande équipement yo, le ajouen sécurité privée yo, yon ajouen business yo, yon ajouen entreprise yo. Donc, quelque part, balise ça qui gagne. Ou te ka dit peut-être c'est pour yon aider, mettre en contrôle sous quantité d'âme PNH a acheté, sous quantité d'âme commandé. Enfin, mais non. Non, parce que le chaud a monté sous nos policiers, sous nos institutions de la police, il descend sous nos sécurités privées, sous nos compagnies sécurité privée X, Y, Z qui dans la police. Je ne jodi, qui décision prend? Qui décision qui prend? Pendant que te gon pile scandale qui te levé, sous différents mounan de dans l'état major la police, parmi yo, te gen DG la police dans la France, LBODO qui est compagnie sécurité. Qui disposition qui prend? Qui disposition qui prend? Et non seulement ça, tout. Qui enquête, qui rapport, qui baille pour qu'on ait véritablement qui sa bagay lan e. En Haïti, nous pas servi avec rapport d'enquête. En Haïti, depuis où je n'ai information sur un égout partagé, il te gen en persécution, il te gen en se place ou besoin, se moun pour ou besoin pour place, etc. Non. Joune jodi, il faut que nous conscient que tout bagay sa ou contribuye nan krasé travail policier, nan krasé travail institution PNH a fait. Parce que États-Unis, Canada, nan bon pal, yon mette restriction, yon mette balise. PNH nan bon pal, yon possibilité pour quelque matériel vin jouen institution. Moun ki yon de l'institution, gros bras de l'institution, yon détourne matériel sa yon au profit de l'entreprise privée yon. Mais qui paye nous guerre? Nous gros pays qui gangsterise. Nous gon pays côté que bandi a valé terrain, nous gon pays côté que bandi a taillé mandat et moun ki sa c'est là pour mettre frein dans activité criminelle gang yo, dans activité criminelle bandi yo, yo pa faire merde pour yo résoudre problème là. Eh bien, toujours dans dossier insécurité, dans dossier sanction, dans dossier corruption, dans dossier gang kap taillé mandat, eh bien ministre justice ça li continuer pour le faire connaître que la justice pour le faire, lui-même qui n'a en tête ministère de la justice, la police, yo paré pour yo poursuivre, yo paré pour yo traquer gang, yo paré pour yo traquer bandit, yo paré pour yo faire tout ça la loi dit yo pour yo faire, pour yo arriver rétablir sécurité en dedans pays, qui ka permettre que des élections qui fait. Mais quand t'es bagarre, j'en parais drôle.
Non, je qui sont passé là, tu as gagné plusieurs rapports côté que et plusieurs rapports et ULCC mettait dehors qui impliquaient différentes personnalités en dans pays, anciens fonctionnaires et anciens autorités, autorités actuelles qui dans corruption. Eh bien, ministre justice, li bay garanti. Gagne disposition qui pral prendre là pour faire lumière sur différents actes corruption qui a gangrené système nan, qui a gangrené pays. Et li aller plus loin pour dire que li by l'ordre à commissaire du gouvernement yo pour mettre action publique en mouvement contre tout monde qui concerné exact corruption contre tout monde qui gen droit yo tremper dans voler l'argent l'état dans fourer main dans jacout peuple et ceci n'importe monde lié a n'importe côté monde nan yé a n'importe appartenance politique monde nan taille a n'importe clan politique monde nan taille a automatiquement dit ça. M'songe genye ancien sénateur de la République, Youri La Tortue, qui lui-même était en point de en conférence de presse, lui vini avec preuve côté que le directeur ULCC a dit maman li utilise maman pour faire corruption, maman le pas voyager, le prend l'argent voyage, perdit, etc. De vini. Et il vient avec des séries d'éléments de preuve pour montrer que maman a voyagé, c'est persécution politique, puis le bagage. Mais qu'on y a, est-ce que une enquête sérieuse qui menait pour y avoir, est-ce que très certainement, il y a une véracité à 100% sous toute information que ULCC a eu. Parce que qu'on y a, alors, nous avons une situation pourtant des institutions, tant que ULCC, unité de lutte contre la corruption, une institution étatique qui bat un rapport. Qui pas un rapport côté que il y a des autorités en dedans pays qui dans corruption et puis kounia pour autorité ça venir avec preuve pour montrer que ULCC n'a menti ULCC c'est l'autre bagarre à régler faut venir poser cette question est-ce que kounia ka même faire confiance avec parole qui sorti dans bouche autorité ça yo avec rapport que y a bail sous enquête yo mené parce que nèg yo vienne faire Haïti en tout nous savons. Autorité, institution étatique, ça, ou leur parler pour nous faire confiance, pour nous prendre parole, pour parole l'évangile, pour nous avoir une bonne question d'influence politique. Vine une question de tis amis. Et, bon bagay qui est important, l'accusation grave, ça, yo pesé sous don moun. L'important, même pour accuser, pour action publique, mettre en mouvement, pour lumière faite, pour yon laver, parce que je ne jodi en là, nous pas qu'à seulement redire, sous le fait que Youri La Tortue, par exemple, était venu avec et passeport maman, il vient montrer que c'est menti, ULCC a fait. L'important pour qu'on commissaire du gouvernement qui enquêtait, le dossier allait dans le cabinet d'instruction, si on n'a pas eu des éléments à charge contre ancien sénateur, pour yon clean dossier, vous comprenez? Dossier après passer sans suite, dossier, yon fait yon clore dossier parce que pas de preuves. Pas gagné assez de preuves qui pral dit que ou coupable de ça ou reproché ou là ou bien ta complice de l'autre monde qui a fait corruption ça aussi c'est nous pas avoir un problème avec la justice nous pas avoir un problème avec enquête que autorité judiciaire yo, ou bien institution étatique a mené juste pour faire lumière sur un dossier de corruption parce que ça extrêmement li extrêmement important mais madame n'a pas fini, me dit nous ça depuis le commencement. Me dit nous que me dit nous que ministre justice a tellement parlé madame n'a pas quitté un petit espace pour me respirer, il tellement parlé, il tellement dit qu'il choy, n'a posé tête nos questions journée jeudi hein, est-ce que c'est responsabilité en tant que journaliste, en tant que moun ka partager information avec nous pour me chita vraiment, est-ce que c'est responsabilité pour m'attendre tout ça, madame nan dit, pour me rapporter nous, et, ou bien est-ce que l'état plus bon pour me faire nous tendre, madame nan? M'bon n'a gen moun ka place, gen moun ki plus remet tendre que autant de moun sa, parce que pour yo, moun sa c'est corvé, que y'a fait, c'est pas un yen, y'a préglé vraiment, et pour payer. Mais ça qui est beaucoup plus intéressant, c'est le ministre justice, ça fait qu'on est que, le moun a critiqué le gouvernement pour dire que le gouvernement a financé gang, a financé insécurité en dedans pays. Le gouvernement pas gagné pour en financer gang. Moun qui fait partie du gouvernement de pouvoir rien en rien, yo pas besoin qu'il y ait pouvoir. Tout le temps, d'autant de moun a dit, oh, et leur y a la demandé pour blanc vini, pour blanc débarquer dans pays, c'est pour le cas consolider pouvoir. Oh, gang sa yo qui a terrorisé population, c'est pour Ariel qui a arrêté sous pouvoir pour montrer que y a nécessité pour international la vini pour faire ton passer. Mais madame, non, vous dit, tout le monde sa yo, c'est parole, ça c'est notre tête nous lié. Mais au fait, gouvernement,
moun yo plus envie aller que rester dans tes pays. Yo plus envie ramasser tout petit baklan clan yo quitter pouvoir aller pour gagner élection qui fait pour yo mettre yo président élu pour gon gouvernement qui démocratiquement formé en dedans pays. Donc nous pas connait si c'est vérité, nous pas connait si c'est menti, l'essentiel. En pile question à poser, gen en pile moun ki a parlé et madame prophète Mise et madame Aniga, ki sa moun sa yo a fait dans gouvernement Ariel la. Parce que jounen jodi an, si n'ap gade sa politique lan, y a tout bon en Haïti, ou ap gade politique en Haïti pou kounye a la, jan nèg yo fait politique lan tourner en Haïti, ou même qui sont intellectuels, ou même qui qualifient non domaine quelconque, ou même qui sont experts non domaine quelconque, politique en Haïti pou kounye al va fait pour. Parce que politique là, ça nous gen là, ça n'ap gade là sous table là, son politique là vous sentiez lié. Son politique là vous senti, permettez-moi parce que m'obligé dit nous bagay li jan li a. Son politique chez manger chez lié. Son politique bagay senti k'a réglé, son politique chaonnier. C'est ça qu'a fait à terre là. Automatiquement ou rentrer là-dedans même l'autre a montré ou gen bonne volonté pour aider résoudre problème qui gen là, résoudre crise qui gen là, résoudre insécurité qui gen là en vérité. En vérité, y a boit tout nos potés, y a boit tout chai poté parce qu'on vient sembler avec ça qui a passé à terre là. Non pour un monde comme madame Aniga. Y a un monde qui gon parcours, y a un monde qui fait non dans société a, ou met dissolve les dit, ou met dissolve les dit de li passer jonvlel, mais madame Aniga li gon parcours. Madame Aniga c'est son monde de cerveau lié, son monde qui gen brenier, ça qu'arrive que soit ta patron de lien, c'est pas ça le dit etc. Mais son monde qui formé qui t'es qualifié pays en façon pâle. Le fait que je ne jodi en li fait choix rentrer dans au conseil de transition Ariel Henry, peut-être que t'es qu'à mettre dans tête li et c'est compétence li, c'est service t'a pral mettre au service de la nation, au service du pays etc. compétence li. Même Jean ouais Emily prophète Mise yon femme formée yon femme cerveau etc. ou ouais Kounyal non seulement était ministre communication culture et communication Kounyal ministre justice a i wa mande ki ça la fait là pour bataille moun sa yo bataille pour di faire non yon de société hein pour di créer une place en société et puis Kounyal vinn wè dans la bou senti ça dans la fiente ça c'est là dedans li a ben en dedans pouvoir l'état wa mande ki ça qui motive moun sa yo. Ou mande ki sa ki nan tèt moun sa yo. Parce que à un certain moment, l'on rentre dans fonction, rentre dans position, ou on pa ka bay résultat, c'est démissionner ou démissionner. Je me toujours dit ça. Fon ma garçon en Haïti, yo pa gen culture de démission. Ça yo pa fèl pou, jamais yo pa fèl pou. Même l'on ta gen volonté pou di A plus B, ben comment ou on ka résoudre problème de sécurité a. Ou on pa ka bay résultat, c'est marre bon toile. C'est écrivon ye. Ok, on fait des études de droit, ok, ou gen l'autre spécialité, mais restez là-dedans. Parce que Haïtien plus envie à battre bravo pour vous, l'on recevoir prix dans l'autre domaine. Politique là, le pas pour vous, sauf fait là, ou pas kabay résultat là-dedans. Allez, même jeudi à la madame Aniko, pas kabay résultat dans la CTA. Là, c'est bon, tout est montré pays yon gen bonne volonté pour te contribuer, ou pas ka contribuer, ou allez. Ou aller aussi simple que ça, parce que jeudi en là, politique ça, son politique là, vous senti, son politique chien manger chien, son politique cochon qui a bien dans la boulier, moun qui au moins montré au sérieux, pas qu'à la donne. M'bra dit non bagay là, m'ba la supposé deal. Son bagay qui folle, m'ba la supposé deal, mais m'ab deal. M'ab deal pour une grande raison, parce que moi même c'est haïtien avant tout, Haïti c'est pays m'ni avant tout. Nous, ça a passé là, les amis, gros amis, on l'a qui te dit, oh, Yannick, et, tantôt, nous pas voulons international, là, aider nous, tantôt, nous voulons international, là, aider nous, venez aider nous, venez aider nous, résoudre le problème de sécurité, ah, oh, et, on va contredire tout. Non, pas contredire tout, oui. Pas contredire tout, moi, j'aime toujours assurer que moi, j'étais cohérent dans toute prise de position. Faut nous, qu'à nous-mêmes, identifier le journaliste, là, rapporter des faits. Avec le la partager opinion sur un sujet, le la faire analyse pas, le la baye position pas sur un sujet bien déterminé. Joune jodi an la, ça va passer dans le pays, ou maintenant nous, nous parler de intellectuel, nous autres prenons exemple madame Aniga, nous autres prenons exemple Emily Prophète. Intellectuel ça qui n'a pouvoir, là c'est pas deux trois intellectuels qui n'a un pouvoir. Des séries de nègres qui fait doctorat, qui fait master, qui fait licence, etc. Intellectuel qui n'a pas pouvoir ça, il pas ka régler un merde pour payer, il pas ka sauver Haïti. International, il pas ka sauver Haïti. Secteur privé, nous gen la pas ka sauver Haïti.
Parce que yo tout fait partie de problème nan. Nous connais qui ça problème nan? Problème nan c'est système qui gen là. Et en dedans système qui gen là, gen toute qualité moun, gen toute catégorie moun là dedans. Et c'est yo même qui kembe pays en côté lié là. C'est yo même qui a financé insécurité, c'est yo même qui a financé instabilité, c'est yo même qui joue aujourd'hui quand l'élection va arriver, a fait ce qui dirige, a mettre 1000 gouttes dans la rue pour aller acheter moun, pour aller acheter vote populaire là, c'est yo même. Et en dedans système ça, ou jeune petit machin, ou jeune gros commerçant, ou jeune entrepreneur, ou jeune secteur privé, ou jeune politicien, ou jeune opposant, ou jeune nèg pouvoir, ou jeune musicien, ou jeune artiste, ou jeune journaliste, ou jeune toute catégorie moun dans le système là. Moun sa ou qui se tchou le système là. Ou quand ça fait jeune aujourd'hui en communauté internationale, blan pa vine d'eau, blan pa vine d'eau parce que en dedans la caille nous pas même faire minimum là. Nous pas même faire minimum là pour nous ta dire au bon matin. Là où dit problème haïtien solution haïtienne entre nous nous pour chercher solution. Combien fois ouais opposition politique qui t'a goumé en face Jovenel là? Combien fois nous ouais te mettre tête ensemble pour te dire bon OK, n'a ba Haïti en chance, n'a désigné nous-mêmes au premier ministre qui pral représenter vote populaire là, qui pral représenter et population, qui pral représenter moun sa qui dans la rue qui conteste Jovenel Moïse. Combien fois? Zéro, nada. Parce que en dedans, même opposition politique, la division, gen hihang, gen chirepit, yon pap jamais mesure pour yon transcende, pour yon dit, bon, et tel, moi capable aller représenter nous. Non, yon pap jamais faire comme ça parce que entre yon, y a bataille. Je ne jodi en la, gen des séries de moun noue qui prend la rue, gen des séries de moun noue qui nan media matin midi soir kap dénoncer, c'est job yon besoin. C'est relé yon besoin pour Ariel relé yon. C'est une autre position à chercher pour Ariel Météo. Il y a pris les projecteurs sur eux, il y a pris les caméras sur eux, pour eux-mêmes, pour eux venir prendre position. Son bagage, il y a venu faire pour pays, hein. Son, valeur nègre qui était sous Jovenel Moïse là, qui passait sous Matéli, il aurait été dans la transition, il y a venu joindre le président Jovenel Moïse. Journée aujourd'hui là, malgré, ok, gain qui était avec Jovenel, gain, ok, journée aujourd'hui, gain des jovenelistes, il y a même eu proposition, il y a pas dans Ariel, il y a mis bois derrière Ariel. Mais gain l'autre monde qui était à Jovenel Moïse, qui en bas, fait l'argent dans le pouvoir Ariel là, oui. Qu'a fait l'argent dans le pouvoir Ariel là, oui. C'est pas une question de pays nègre à régler, c'est une question de faire l'argent. Et journée aujourd'hui, si nous voulons pays en changer, si nous voulons retirer Haïti dans la boue, sentir lié là en bas, mais nègre ça, en bas, griffe nègre ça, nous avons seul bagaille pour nous faire. C'est un chambardement total qui pour faire dans le système, non. C'est chavirer chaudier, gratter, bouler, gratter. Ou fin gratter, mettez fab, mettez clorox, mettez tout ça, mettez dans chaudier pour nous cleaner, pour nous rebalancer, maïmounéen, pour nous rebrasser, maïmounéen. Montez sous table, rebrasser 4 ans, propre table, rebrasser 4 ans. Parce que ça nous gagne là comme pays, international, là, nan bo pal, nan kote pal, li gen objectif li vise. Et je vous dis, tout pays gen problème la kayo. Si nous prenons les États-Unis, Canada, pour venir résoudre la sécurité, nous prenons là, nous prenons mourir, green par green, nous merde pas, j'en fait. États-Unis gen problème pal la kayo. Canada gen problème pal la kayo. Ou pas, c'est Justin Trudeau. Comme premier ministre, quand il décide, et sans Royaume-Uni, pas passer l'autre, quand il décide que la voie est trop en Haïti. Ou pensez, dans ce moment-là, dans ce moment, quand Biden n'a pas avancé vers fin mandat, nous pensons que Biden a décidé, sans que le Congrès n'a pas d'abord la valeur, il a pour passer la voie militaire, la voie soldat américain en Haïti. En jeu différent. Ça te gagne en 94, les blancs te débarqué à soir ici. C'est pas même bagaille qui a gagné en 2023, là. En 2004. En 94, le blanc te débarqué en Haïti. Nous pensons c'est même calibre zam yo. Nous pensons c'est même zam de guerre sa yo. États-Unis qui compte qui quantité zam yo en Haïti. Ça qu'arrive PNH pas ka font listing de qui quantité zam, de qui mag zam, de qui qualité zam que gang yo a utilisé, mais c'est aux États-Unis yo zoti yo entre en Haïti. Yo gagne tout spécificité sur qualité zam nèg yo a utilisé. C'est pas 9 mm, c'est pas 38, c'est gros zam ka percé blindé. C'est gros âme qui a fait une fois mon yoye. Ça, c'est une réalité faut que nous considérons. Pendant après les blancs, pendant Ariel, ces mois-là, yo a fait lobby aux États-Unis, dépenser paquet l'argent pour blanc venir aider. Mais yo gèl pas prendre ça en considération. Et le fait que m'dou ministre justice parle, mais ça, yo pas prendre en considération. Joune jodi, c'est pas seulement vin bay bel français, vin faire zuzu, vin faire show, vin faire fashionista. Non! Je ne jodi, enfin, nous ka poser problème yo.
Et moi-même, qui ça m'a pas attendu dans mes mouns, dans mes intellectuels qui n'ont pas pouvoir rien en Rio? C'est démissionner, démissionner. Sorti dans la bouche, senti ça, au moins, peu pas ici, nous te font un bagage qui conséquent. Yo, ouais, nous te font un bagage qui conséquent. Parce que sous président Jovenel Moïse, mais comment bagage l'anté? Moi-même, te attendu, moi que, te attendu, moi, les nègres, yo, te fin tout, Jovenel Moïse. Jonte, ouais, André Michel, tap bataille pour job, là, te attendu, moi, te font un bagage qui tap changé. Et pourtant, bon, vous attendez comment bagage l'anté? C'est qu'il n'y a qu'une seule opposition, c'est l'opposition qui accompagne le peuple haïtien chaque jour dans son combat pour la satisfaction de ses revendications légitimes. Une seule opposition, c'est l'opposition qui a fait, qui a porté dossier Petro-Caribé, qui a porté dossier Dermalogue, qui a demandé conférence nationale, opposition qui a demandé casser système, exclusion ça, pour nous construire l'autre pays. Son seule opposition qui gagne. Et je dis à l'opposition, c'est le peuple là. Opposition, c'est jeunes, c'est familles, c'est l'église, c'est médecins, c'est professeurs, c'est artistes, c'est tout le monde qui est ensemble dans le même combat, il faut le reconnaître. Maître Michel André, opposition, c'est tout secteur ça, c'est écolier tout qui parle l'école. On dit que matin, on dit que si Jovenel Moïse quitte le pouvoir, jeudi, demain, tout le monde va prendre. Clairement répété après quel, le peuple-là. Par quel moyen qu'est-ce qui vous permet, par exemple, de prévoir que tout va reprendre une fois que président Jovenel Moïse quitte le pouvoir? Oh non. Et là, je le dis, au nom du secteur démocratique et populaire, au nom de tous les groupes signataires de l'alternative consensuelle, au nom des députés et sénateurs de la branche institutionnelle de l'opposition, Jovenel Moïse laisse le pouvoir aujourd'hui, demain, pays à calme, pays à propre, toute rue lavée, tout petit monde retourne à l'école, tout business fonctionnel, pays à fonctionnel. Aujourd'hui, il y a le reconnaître, le problème. Mon pas dit qui j'en ai, ça pas le fait. Hein? La fête de manière automatique. Et les armes qui sont en circulation, les armes illégales? Non, écoutez, les armes qui sont en circulation, là tu parles des gangs. Et pas seulement des gangs. Non, tu parles des armes qui sont en circulation. Que ça soit dans les rapports publiés par des groupes de droits humains, que ça soit dans un dernier rapport qui était publié par la DCPJ, nous constatons que c'est le pouvoir en place, c'est des sénateurs pour être du pouvoir, c'est au cap alimenter gang, c'est au même cap bailler gang l'argent, c'est au cap bailler aux âmes pour assassiner la population. Et c'est pas moi qui le dis. Est-ce que la paix peut être rétablie? Bien sûr. Sans un désarmement? Mais le désarmement, écoutez, il y a deux façons. Pas qu'un secret n'en fait qu'on là. Comment on fait face aux gangs armés dans tous les pays du monde? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Un, l'État intervient avec des programmes sociaux pour prendre en charge les quartiers sensibles, les zones sensibles. Parce que nous devons reconnaître que dans ce pays, pendant les 30 dernières années, aucun investissement sérieux n'a été réalisé dans nos quartiers. Les quartiers ont été et restent encore abandonnés à eux-mêmes. Ça facilite que Gendé qui Gensam qui prend quartier. L'État fait pour intervenir avec des programmes sociaux, pour mettre l'école professionnelle, mettre le travail pour le prendre quartier. Ça c'est un. Attention, maître. Maintenant, le bâton. Non, c'est pas souvent qu'on se dit là. On dit que tous les gangs ont été armés par des officiels du gouvernement, pas vrai? Non, bah dit tous les gangs ont été armés par des officiels de ce gouvernement. On dit qu'il y a des rapports. Même quand on vient réclamer de l'opposition, non? Il y a des rapports. N'importe qui réclame de l'opposition. Demain matin, on va attendre et Martin Moïse réclame de l'opposition. Jovenel Moïse commence à réclamer de l'opposition. Parce que moi, chaque fois le palais le fait payer, il fait chauffer. Maître. Maintenant, je vais camper sur information ça au bail là. Non, tout le monde entendait le monsieur parler dans la radio, il m'a dit qu'il prend les armes contre le pouvoir en place. Monsieur Grand Avignon, comment est-ce capable à la fois au pouvoir et dans l'opposition? Même l'opposition aujourd'hui, l'opposition, c'est ça. Maintenant, on ne peut pas parler de on est Grand Avignon qui font une déclaration. Écoutez, je fais partie des signataires de l'alternative consensuelle. Et il fait une déclaration, il est comptable de sa déclaration. Je ne suis pas son porte-parole. Ça n'engage que lui? Évidemment, ça n'engage que lui. Et si cette position peut effectivement conduire au départ du président Jovenel Moïse? Non, écoutez, ce n'est pas une déclaration
d'un citoyen qui pourra être suffisante pour mener la démission de Jovenel Moïse. Nous autres de l'opposition, nous sommes en train de mobiliser le pays, nous sommes en train de prendre les moyens politiques qu'il nous faut pour obtenir la démission de Jovenel Moïse et n'a fait avec la population. Okay. Maintenant, je vais permettre que. C'est ça, l'État fait pour l'intervenir en quartier, mettez des programmes pour mettre la population en confiance. C'est la carotte, il y a le bâton. Le bâton, on est gainsam dans main, il y a la police, il y a la justice. Yola, c'est la République, la République fait face. Mmh. C'est deux méthodes. Le bâton, suis en train de jouer un petit rôle. Ouais, non, OCI, en côté tout le monde a joué un rôle, m'a joué un petit rôle. Et après, si gagné. Côté Pablo, vous pouvez mettre André Michel après. Bon, après. Ah ben, je vous donne cette garantie. Pour la transition, ou pas vraiment n'a aucun poste. Ma transition, moi, j'ai deux bagages qui sont importants pour moi. Le procès Petro-Caribé que j'ai initié. J'ai initié le procès Petro-Caribé le 29 juillet 2018. Dans la transition, on a une bataille pour le procès a commencé véritablement. Et si la transition arrivée, et puis je garde un mois, deux mois passés, je ne peux pas arrêter personne monde. Dans Petro-Caribé, ferme confiance, Wendell Théodore, je serai en face de ce gouvernement de transition. Ah ben, et deuxième bagage qui est important. Donc, deuxième bagage. Donc, c'est que nous appeler pour payer pas jamais stable. Non. Écoutez, Lénine le disait, le combat est permanent. Trotsky disait que le combat est permanent. Ça veut dire que moi-même pas bataille pour mon job, mon poste. Je me bats pour mes idées. Moi, je crois qu'il ne faut pas de corruption, je vais mener une bataille contre la corruption. Moi, je crois qu'il faut qu'on l'autre système qui baille tout le monde chance, je vais batailler pour ça. Moi, j'ai l'autre gros dossier corruption, je vais introduire la justice pendant la transition. Et Kounia, qui j'en sais? Qui j'en sais? André Michel met pouvoir. SDP met pouvoir, oui. Major Michel, c'est maman pouvoir, oui. Comment ça, Kounia? Et ça que femme toujours dit nous. Faut que nous calèjons, nous suspendons le marché derrière moun. Suspend marché d'un paquet de bluffeurs en dedans pays qui vend nous faux l'espoir. Suspend quoi que André Michel ou SDP qui règle merde, yo pas qui règle merde dedans pays. Yo fait partie de problème là. Yo fait partie de système là. Yo sont en branche, yo sont zèle là-dedans. C'est même Jean Junet jodi en attendant c'est Canada, c'est États-Unis, c'est la France qui pour venir aider nous sortir dans ça nous hier. Mais écoute, yo contribué, qui est snap dénoncé qui prend décision pour Haïti? Qui est-ce nous dit qui mettait Ariel? Ce n'est pas corps groupe, ce n'est pas Binu, mais qui est-ce qui constitue corps groupe à Binu? Qui est-ce qui constitue corps groupe à Binu? Répond. Ce n'est pas ambassadeur Canada, et États-Unis, la France, représentant Union Européenne, Espagne, etc. Ce n'est pas eux-mêmes. Donc je tiens, il n'est pas question des États-Unis, du Canada, de la France, etc. Parce que si nous visons en tant que pays, n'a toujours qu'à blâmer, n'a toujours qu'à bailler au port de responsabilité. Mais en dedans, mes maritiens, là, on regarde les différentes structures, différents petits organes, petits trous qui gagnent, trop vite que nèg sa yo quitté, ou a demandé qui leur ka mette yo dehors, qui leur ka repousser yo, retirer influence yo. C'est changement pour faire. C'est changement système qui pour faire. C'est révolte générale qui pour faire dans dedans pays. M'ba konnen comment yo pral fèl, m'ba konnen a qui yes yo pral fèl, m'ba konnen a qui ça yo pral fèl, mais faut qu'on révolte qui fait tande dans pays yon. Parce que nous pas ka continuer à fuir kay nou. Nous pas ka continuer chita à garder bandit maré nou, ka fè maman petite coucher ensemble, ka fè frère coucher avec sœur yo, ka fè papa coucher avec petite yo. Non. Nous pas ka continuer à garder dérive ça yon de dans société. Je m'a parlé de chambardement total là, honnêtement, moi même des fois, je me sens découragé avec le travail. Vous comprenez ça parce que la majorité haïtienne n'est pas conscient. Les haïtiens qui sont conscients, qui ont nécessité pour encourager un travail positif qu'a fait pour toute la communauté. Mais après ça, ils ont rabordé, ils ont roué, ils ont chawapété, etc. Ils sont bagarre constatée. Mais comme son travail de conscientisation, ils ne te mettent pas aujourd'hui, ils ne te mettent pas demain, ils ne te mettent pas après-demain, ils ne te mettent pas dans un an, ils ne te mettent pas dans 5 ans, mais ils ont un résultat quand même qui joue. Ils ont un grain de mal où ils ont planté un côté pour le germe et pour le lever. Donc, ils ont obligé d'être patient, obligé d'être conscient ou même qui a fait le travail là. Regardez ça qui passe. Je ne veux pas dire insécurité pour quand tu es nèg, pour quand tu es jeune femme, jeune garçon qui va régler rien, ou bien qui n'a insécurité à faire tout tes gangs, qui travaille avec bandits, ou demander qui soit prêt à le faire avec lui. Comment on peut retirer la mentalité, l'argent facile dans la tête? Comment on peut retirer vice dans le monde?
Regardez ça qui se passe dans Wanamet tout récemment. Un jeune garçon, Fred Lergue, qui a une femme qui fait le confiance sur Facebook. Il croise sur Facebook, il a d'amour, Fian. Et Fred Lergue a dit que Fian a trois nègres. Il a une Saint-Domingue, il a acheté Saint-Domingue, il a une Wanamet et il a une Port-au-Prince. Bon, ça c'est vie privée, mon nom. Si on fait confiance, là, il vient à 1 million de goudlans, c'est ou même il va aller pour acheter peso pour lui. Il vient à 2 millions de goudlans, c'est ou même il va aller comme ménage, si vous voulez, non, nous, il va aller pour acheter peso pour lui, pour le cas acheter ses domaines pour la revendre. Et puis, où jouer le moyen? Ou ranger avec trois autres acolytes, trois autres criminels pareils, nous touiller fiant pour combien cob? Pour 1 million de goud à 1500 dollars américains. Yo range yo tout yé fiant. On moun ki fò confiance. On moun ki sot Port-au-Prince vin dormi la kayou. On moun n'importe l'argent vini avec li, li pa peur, c'est ou même li bay li, li dou men chéri a changer pou li en peso. On moun nan la sot se domen, la pot tennis, la pot mayo, la pot pantalon, la pot slip pou mete. Et puis c'est sofel sous prétexte que c'est chaque mois ou elle chaque deux mois ka wel etc. Sous prétexte que c'est l'autre zami qui prend tête ou qui donne font coup sous lit. Mais non. Parce que tout bagay sa yo, faut que nous commencer changer yo. Faut que nous ta font fait pour nous changer mentalité a. Mais qu'on y a changer mentalité a ici, c'est facile. Changer mentalité jeune garçon ak jeune femme sa yo qui pa kwè nan travail, qui pa kwè nan bourrique, qui pa kwè nan lever bokit, qui pa kwè nan passer mop. Nous avons une société côté que tout le monde t'a remé ou l'on belle machine, tout le monde t'a remé une belle caille, tout le monde t'a remé mettre un parfum 400 500 dollars américains, tout le monde t'a remé acheter un soulier 400 dollars pour maintenant puis mais non. Non. C'est pas que on pas rien droit faire ou pas qu'à faire ou bien pas rien droit rêver non. Mais tout le monde pas égal, tout le monde pas égal de manière économique, oui nous égal, nous tout ces monde. Mais c'est ça que fait on compte passer ou un avocat. Ou est gen médecin, ou est gen maçon, ou est gen ébéniste, ou est gen machin nan, nous devons fier, nous besoin seul bagay. Nous besoin fierté. Ou ap travail ou fait 10 goud, 10 goud ça ou doit fier avec. 10 goud ça ou pas doit aller au-delà de moyen. Ou ap travail ou fait 50 goud, 50 goud nan élite pour ou doit fier de lui. Mais qui fierté gen, l'on ap gade paquet nèg qui passe dans l'état. Qui a mis belle chemise, gros parfum senti bon, belle souliers dans pied yo, et puis journée jodian, non yo a fait la une des réseaux pour voler, pour criminel, pour gang, qui a financé insécurité, qui te participé dans tout le président, kote fierté a là. Kote fierté a. C'est moun sa ou fò pense pas moun, oui. C'est moun sa ou fò pense c'est nan voler, c'est voler bagay moun, pour dou gen 1 million de goud, vin fè chòv avec ko paquet l'argent. C'est moun sa ou fè payan kon sa, qui réduit société a kon sa, qui fait tout moun kwen nan l'argent facile. L'argent pas facile. L'argent pas facile. L'argent c'est travail ou doit travail pour faire l'argent. L'argent c'est bourrique ou doit bourrique pour faire l'argent. C'est ça que fait toujours gen André Michel. A toujours gen les Martelliers alliés, a toujours gen les Lavalasse alliés, les Aristide alliés, a toujours gros paquet nèg qui participe dans craser pays, qui participe dans gangsteriser pays, qui mettait nous côté li là. Moi même moi dans travail, moi même moi dans éducation, moi même moi dans force de travail, m'a toujours moun moyen a, aussi simple que ça. Bon, on nous continue mes amis, on parle en pile, mais faut on parler, faut parole en parler. Eh bien, le premier ministre canadien Justin Trudeau m'a promis de faire nous donner des déclarations. Eh bien, nous t'en ensemble qui ça Justin Trudeau t'a raconté dans le moment que il t'a participé dans l'assemblée publique ça côté que gagné des intervenants qui t'a posé la question sur le dossier haïtien, sur le dossier sanctions que yo prend et contre différentes personnalités en Haïti. En nous tendez comment premier ministre canadien lui-même l'a réagi. Régionaux de faire leur partie aussi parce que ça peut pas juste être des pays comme le Canada, les États-Unis, la France à intervenir, ça devrait être des voisins aussi. Mais intervenir comment? Tout d'abord, faut démontrer à la classe politique et aux élites économiques que ça marche plus comment ils le font. Et pour ça, les sanctions qu'on a amenées, le Canada est rendu à 17 sanctions, les États-Unis ont commencé à faire plus de sanctions, on a besoin qu'ils en fassent beaucoup plus. On a besoin que l'Europe, que la France en fasse plus. On a besoin que des pays autour
en face aussi pour que cette élite commence à comprendre qu'ils ne peuvent pas se cacher ou cacher leur argent ou leur propriété ailleurs. Ils ont une responsabilité de créer un peu de stabilité en Haïti. On va travailler avec les organismes politiques pour essayer de créer une certaine stabilité. Parce que la façon que ça passe, c'est quelqu'un gagne à la présidence ou devient gouvernement en Haïti, tous les autres sont contre. Jusqu'à ce que ça change, puis là, il y a quelqu'un d'autre, puis tout le monde... Il n'y a jamais un consensus, il y a jamais une stabilité de gens qui se disent, OK, pour le bien du pays, travaillons ensemble, puis on figurera après, une fois qu'il y a un peu de stabilité. Parce que les gens... De voter quand t'as peur de quitter ta maison, de voter quand il y a des gangs armés dans la rue, de voter quand... T'sais, c'est pas un vrai vote démocratique à ce niveau-là. Alors, il faut reprendre la stabilité. Pour moi, la meilleure façon de refaire une stabilité pour Haïti, c'est d'abord de sanctionner les élites pour leur dire qu'ils ne peuvent plus financer les gangs, ils ne peuvent plus financer de l'instabilité politique. Et deux, faut qu'on s'assure que la police nationale haïtienne ait le pouvoir de faire leur travail. L'équipement, la formation, l'argent pour pouvoir payer leurs membres, pour créer une institution plus solide. On a vu pendant l'automne que ça allait un petit peu mieux avec la police qui prenait plus de place. Depuis Noël, ça a dégringolé un petit peu. Nous, on va être là pour essayer d'appuyer la police haïtienne. Mais ça peut pas être le Canada qui va venir sauver Haïti, pas plus que les États-Unis, pas plus que personne d'autre. Il faut qu'on crée des conditions pour que les Haïtiens, qui sont extraordinaires, puissent se sauver, puissent se remettre sur la bonne voie. Puis ce sera pas facile, puis il n'y a pas de solution miracle, mais avec de l'aide soutenue, avec des conséquences pour ceux qui causent tant de dégâts, pas juste les leaders de gang, là, mais les élites, c'est ça qui va nous amener dans la bonne direction. Ce ne sera pas pour demain, mais le Canada va être là parce que elle nous tient beaucoup, cette terre des Antilles. Merci beaucoup. Bon. Je ne sais pas si nous avons suivi la diplomatie canadienne. L'autre autorité canadienne ou bien autorité dans n'importe quel pays, ils ont fait débat public sur un dossier ou mettre qu'on est. C'est parce que yo senti yo poukoy la dan, yo senti yo abandonné, yo senti tout chay sou do yo, yo vin mette yo face avec opinion publique là pour yo wè réaction, pour yo font son sorte de sondage pour yo wè position moun yo. Si n'ap suivi bien déclaration et Trudeau dit exactement ça dal wè di, jounen jodi a la m pa kwè bon solution miracle côté que bon matin qu'a levé pour tendre et insécurité en fin en Haïti, nèg examen au fin en Haïti, etc. Non, pas bon solution miracle. Et gagne autorité en Haïti, gagne des séries de monde qui passe dans tête la police. Tout ça, pas que solution miracle avec problème haïtien là, un problème gang non, c'est chita étudier données yo, garder paramètres yo, garder spécificité yo et puis agir. Mais qu'on y a agi avec qui ça? Qui est-ce qui pral quitter possibilité? Qui est-ce qui pral quitter Trouville pour nous agir? Qui est-ce? Même pays, ça, États-Unis, Canada, ces pays qui se disent amis d'Haïti, yo même encore, yo marre des mains, yo marre des pieds, yo pas ba nous toute liberté. Yo pas ba nous toute liberté d'agir nous, yo a contrôlé nous, bon contrôle poussé, bon contrôle qui très 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 poussé, sous ça la police a réglé. Là encore son problème. Mais ça qui est plus intéressant, c'est l'ordre de parler de élection démocratique. Est-ce qu'en Haïti, on a parlé de élection démocratique? Le gang, le bandit a terrorisé, le monde n'a pas de confiance vraiment pour aller voter. Est-ce que nous avons parlé de ça? Mais qui est-ce qui crée le climat d'insécurité? Qui est-ce qui crée le climat de terreur dans le pays? Responsabilité, qui est-ce tout pour porter solution avec lui? Et c'est là où pour Haïti commence à léger. C'est là où nous commençons à léger nous. Je ne dis pas là. Gangsterisation ça, le fait que PNH a agi dans le dépôt pour freiner les questions gang non. C'est parce que nous avons accepté madame la ligne sur côté sorti. Le jeune fin fédéré pour te monter dans les Nations Unies pour te dire que c'est une très bonne décision, son bonne décision que tu prends. Ou pas fédéré jeune. Le fait que international n'a pas l'obion représenté international dans le côté sorti le parler et puis soit dans toute autorité rentrer dans coquillon. Tout nègre rentre dans coquille, yo pa gen rien pour yo di. Mais jounen jodi a, qui est-ce qui a payé pour casse ya? Qui est-ce qui a payé le prix dur? C'est population, c'est nous-mêmes qui a payé. Côté Trudeau et Canada, li à l'abri. Côté Joe Biden, li à l'abri, li safe.
Mais c'est nous-mêmes, nous autres haïtiens. Bon, Ariel qui n'en paye en li en sécurité. Ariel qui n'en paye, ah oui, il y a l'abri, bon, pas besoin de dire, pas besoin de dire. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que je ne dis pas là, pas une solution miracle avec problème pays, ok? Pas une solution miracle avec problème pays. Mais nous pas de douter, nous devons faire une bagaille. Quand on entend le Canada parler de sanctions, les États-Unis lui-même, c'est comme si livre les sanctions, pas livre les sanctions, bon catégorie moun livre les sanctions. Hein? La France lui-même, le nègre besoin à l'hôpital, c'est en France qui monte. Semaine qui se passe à là, bon ami partage une information avec moi, il y a un ancien ministre de justice et Berthe Dorsé, il est mal à l'aise, il va sortir bien côté le monte, il fait le check-up en France, à Paris. Canada sanctionnel, États-Unis sanctionnel, il monte à Paris, il fait le check-up. Parce que Paris et États-Unis et la France seule qui te porte les vides, les qui te barrières les bouillons, et puis y a monté, y a prouvé quoi yo. Qui efficacité sanction yo? Là y a fait et puis on l'a tapé des faits. Qui efficacité sanction yo? Faut que négro casse sorti sanction en un zo yo en un nom yo. Moi je les ai des négro m'a regardé ti figi yo fini concret yo. Pas besoin de faire personnalité nous carré de qui est à parler. Négro fini concret yo. Gen l'autre qui malade qui pa ka le prend soin, gen l'autre qui malade et madame yo malade en Haïti yo pa ka voye le prend soin etc. Fok sanction touche yo nan chair yo nan nom yo nan zo yo. Donc n'ap comprendre nécessité qui gen en tant qu'haïtien pour nous bataille pour autorité ou rivle rétabli sécurité dans le pays. Bon, nan espace libre opinion te gen annoncé nous ça. M'ra quitte nous avec interview ancien DG la police Mario André Sol. Li réalisé avec journaliste Magic 9 yo. Question qu'a posé, est-ce que PNH ka arrive rétablir sécurité et s'il pa ka arrive rétablir sécurité, qui est-ce qui empêche le fait travail li? En nous tendi ensemble, n'ap gagné plus de détails sur problème insécurité a ka plonger pays d'Haïti. Mais avec un regard sur ça moun yo considéré comme problème gouvernance. C'est monde présenté comme manque de confiance que rien dans PNH et yo dit ça officieusement parce qu'il s'agit de partenaires de la communauté internationale le gain pour yo adresser question acquisition équipement qui a des avantages opérationnels et tactiques tant que fusil d'assaut char d'opération équipement de communication sophistiqué à la fin de renseignement et avec on a regardé. Est-ce que mon problème de gouvernance vrai? Si oui, depuis qu'il est remonté, est-ce que c'est un prétexte pour ne pas donner à la police et à l'armée les moyens nécessaires pour renforcer la capacité opérationnelle? Ou est-ce que gagner effectivement une mauvaise gestion de institutions, PNH et FADH, mauvaise gestion de matériel, notamment n'a fait référence à des fusils qui étaient achetés certains adhérents de la palais nationale et certains adhérents disparaissent, 56 pour être plus précis, l'inventaire a été tenu en 2016. Est-ce que ça a eu des conséquences? Et le plus important, comment reconstruire crédibilité institutionnelle ça, qui, de toute évidence, n'a pas gardé situation à vivre là, et l'écouter nous chel, écouter nous en vie humaine. Et puis, la fin interview, nous avons souhaité parler avec vous sur siège qui vient dans plusieurs quartiers, la finalité de ce siège. Et pour mes questions, je nous dis là, et est-ce que PNH là gagne un problème de gouvernance? Bon, il est évident et nous besoin que gagner et du problème de gouvernance interne en la, à la police là qui pas remonté qui pas existé aujourd'hui ça avait douché depuis bien longtemps et ça entre tout dans et conception et politique yo problème de politique yo pas dirigeant politique yo de ça yo gagné d'avoir les institutions les arriver dans position pour diriger pays. Donc, le problème de gouvernance, là, moi, je suis capable de dire que je suis remonté depuis la création de la police. Là. Je vais aller très loin. Hein. La création de la police, là, dans la mesure où nous connaissons et ce qui base la police, là, déjà déformé et dans le contexte qu'elle a créé. Là. Donc, qui devine fait que, dans l'époque, là, on n'a pas senti côté que tu as gagné, ça n'a pas dit, ils ont vraiment une compréhension. Et de conjoncture et
la mise sous pied une institution pour et PNH, un fonds de sécurité, par exemple, qui était PNH à cette époque-là, demandait un peu de bagaille. Donc, qui sont des ouais, ou tout simplement que tu as une volonté à la caille de l'époque-là, et tu demandais pour caser l'armée, pour bailler la police. OK. Mais le nom de Mandi, c'est Iboun qui est dans la communauté nationale, qui va connaître quelqu'un en réalité dans vivre nous-mêmes en tant qu'haïtien milieu. Donc, qui fait que, ou tu n'as pas d'implication vraiment. Et contrepartie haïtienne, elle me dit contrepartie haïtienne, ça se considère comme interlocuteur, comme c'est le monde qui est là pour participer dans la création, qui a bâillé des directives, qui a dit, mais qui police nous avons besoin pour Haïti. Donc, Livine fait que, et dans le moment, et quand j'ai ça offert, il y a un peu de bagaille, il y a un peu qui bon. Mais à la vérité, c'est pas ça n'était besoin dans le moment, ça avait tout des besoins. Des institutions qui prennent au service aux populations, qui prennent divorcer avec certaines pratiques que tu as proposé la mer avant, donc pour servir aux populations dans le sens protéger le sens de vie d'hier. Donc à partir de là, ou mal parti comme ça, c'est sûr que qu'on est là, non, on t'a bien déterminé que l'institution va exister. Qui vient faire que qu'on est là, problème respect loi, règlement interne de la police là. Et les principes, les normes qui sont établies, ils ont été nouveaux, mais depuis avant, nous avons respecté, nous avons un cadre de routine qui vient faire que la police a été gérée et gérée urgence dans le moment. Et ouais, après 10 ans, elle a été effondrée, c'était prévisible. Donc, l'un a passé ces situations à partir de 2004-2005. Donc, écoutez, ouais, que la mission qui était gagnée en 2005, qui a été faite en 2005 à 2012, donc, c'était redresser l'institution et regagner confiance population. Puisque tu as parlé de confiance, tu as voulu confiance, effectivement, à côté de la gouvernance. Là. Donc, l'homme essaie de créer un cadre légal pour dire, bon, mais comment pour la police ça a fonctionné? Donc, on a rencontré avec des difficultés, des obstacles, et des fois même pour des politiques yo, qui a demandé au bout de la police là, ils ont une institution apolitique, ils n'ont pas rentré dans toute bagaille. Donc, routine a établi jusqu'à présent, nous avons un ensemble de problèmes que la police a confronté, qui existaient bien avant, que nous n'avons pas déjà résolu. Maintenant, du lieu de ces coopérants, de ces partenaires qui jouent un rôle important, dans la police là, en 1994, est-ce que vous avez un certain niveau de compréhension que l'on peut avoir par rapport à la réticence à doter la police nationale d'Haïti ou à permettre l'État haïtien de faire acquisition, qui est formulé comme ça, d'équipement et qui permettre d'enforcer la capacité opérationnelle, comme fusil d'assaut, chars d'opération, équipement de communication sophistiqué à des fins de renseignement. Bon, ok, mais c'est pas obligé de parler de police. En général, d'une manière standard, on parle de policiers, ils ont gagné des bagages, ils ont cassé des bagages, ils ont gagné. Moi, je suis un contacté la police. Donc, c'est pour dire qu'on m'a donné qu'on y a là, la police a suspendu la police. Soit t'as confiance dans moi, bien t'as qu'on l'a mis, quoi. Donc, avec réflexion, c'est ça le bail très souvent. Et après, même la police a été venue créer, ou c'est tout, c'est même réflexion, c'est que t'es un chef, ou qu'on a mis la même. C'est conceptuel et dogmatique, si vous comprenez bien. C'est ça lié. Ça veut dire, c'est bon pour changer, quand tu es pour ces uniformes changer. C'est même bagarre là, caserne, c'est bon, commissariat, tu es tourné caserne, tu es tourné, tu deviens du bas de jeune encore en bleu blanc. Ça veut dire, c'est nous, même si la caserne, même il est né en haïtien, il est complètement chef là. Donc, qu'est-ce que ça veut faire aujourd'hui là? Nous n'avons pas besoin de tourner que l'international a réticent justement pour nous avoir soit vendre matériel ou bien d'avoir une aide quelconque. Ils ont parlé de aujourd'hui. Pour qui ça? Parce que y a pas qu'une institution qui a bien supporté, une institution qui est fiable, que population connaît en lit, et puis qu'on y a qui ont des démarches tout logiques, qui ont des démarches institutionnelles qu'on y a cap adresser questions sécurité. C'est ça lié. Donc l'homme, si on dit l'étranger a décidé de venir, ok, mais faut qu'au moins on dise qu'il a venu en support avec PNH là, ok, mais qu'on y a là, moi je ne pourrais opérer un dia, qu'on y a faut l'établir. C'est sûr que qu'on y a un moment donné, si nous y a une suspicion que y a une force là, y a un pile moula dans qui est impliqué dans ces bagages louches et illégales, mais y a carrément responsabilité à bout, y a pas carrément fait police pour la caillou. Donc c'est ça, si puisque y a une institution qu'on y a, qu'on y a carrément dit, soit pas cadre, ou pas, ou chita souli, et qui
yo t'a besoin au niveau qui reprend avec nos internationaux. Donc pas un problème vous décaline si il y a bien des dans ce type d'intervention comment dire. Si a venir qu'on y a pour occuper et pays a ou bien carrément vite venir confort de la paix puis tout monsieur de la paix puis soit autre que logique de refaire institution et autre ça sont notre affaire. Mais dans gens moi me comprendre niveau dire là que nous t'aimer mais nego venir vous aider nous on y là et combattre sécurité là mais pour combattre sécurité à livrer livrer dit pour autant c'est faire police pour la caillou parce que ou pas une institution qui existe qu'on y a pour t'aider pour la caillou. Donc ça vient un problème non pour moi ça un problème non aide de demander. Deuxièmement effectivement et là qu'on y a au grand police que qu'on y a pifop nek policio il va t'entraîner au départ pour mode genre de situation ça yo on demander pour acheter fusil d'assaut on demander pour acheter hélicoptère on demander pour acheter même beaucoup de type de char blindé qui répond avec l'armée. Donc là encore qui visage ou même on peut le faire de yo puisque déjà problème de confiance et puis problème de formation tout à la base qui va demander qui fait que comme c'est dans du baka et à l'investir même la caillou kobio et puis du a pour du mais si du bata tout est contre. Donc on veut qu'on va venir soit venir dans cadre intervention que il va faire avec la police souterrain qui rôle va gagner. Est-ce qu'il a fait périmètre ou bien a fait pénétration avec la police ça ou bien tout simplement qu'on y a résolu pour tout ça opposé en termes de et engagement au souterrain. Donc là, si il y a un dommage collatéral, mon blessé, ça a passé. Qui est la responsabilité nous-mêmes ou bien nous-mêmes. Là, tout ça, au côté, dans tout, c'est réticence, il faut qu'on comprenne, ce n'est pas tellement pour nous. Et n'écoutez qu'à l'ignorer des nuits, là, qui était la passé comme ça, comme si dans l'autre, des langages, ça, il y a là où tout prie, on compte bagarre la vie, qui t'a passé comme ça. Mais mon problème, tu peux faire ça, viens passer là. Oui, mais il y a même tout, à un certain moment de la durée, il y a dit nous, mais continuez comme bien engagé pour la police, le basket fond. Qui a géré par le PNUD, je retourne au temps des ambassadeurs pour faire photo dans des séances de formation. Mais là, nous ne sommes pas, si vous comprenez, nous, dans ce qui doit être un grand chantier, si vous comprenez bien, à la fois pour nous dire est-ce que je dis à la bonne PNH ou bien la bonne gendarmerie, et là, si nous avons changé l'orientation, il faudrait un cadre légal approprié. Deuxièmement, il faudrait la formation. Troisièmement, définir l'équipement. Quatrièmement, définir et la mission. Donc, nous gagnons devant nous, si vous comprenez bien, un grand chantier en matière de sécurité. Et pour le moment, c'est parler, moi, et avec un certain niveau, c'est de mon Dakadi de faire semblant, M. Anderson. Bon, attendez, mais nous-mêmes, tout est-ce que nous clair, nous-mêmes, ça nous besoin. C'est pas le problème, non, ça veut dire. Si vous pas clair, nous sommes besoin, nous n'en sommes pas dit, à qui sont collés pour avancer, vous n'avez pas avancé pour vous. Donc, le problème, c'est que vous connaissez, et vous-même qui t'a bâillé comment pour adresser tout. Vous comprenez? Donc, si vous même vous avez trop de c'est comme si vous avez c'est bon, c'est réflexe haïtien, il n'y a pas de temps à regarder. Ça veut dire que c'est blanc pour dire, pas vrai. C'est au courant avec projet, c'est au courant avec plan, mais côté vous l'allez. Ou vous l'allez, mais ok, mais ça va besoin pour mal là. Mais c'est vous même pour qui dire, il va pas dire la place ou non. Donc, je vous dis, comme si vous avez une sorte de monde dans l'expectative, il y a tant de gens pour l'international qui a dit que vous avez fait un bagage, mais qui initiative vous prenez au niveau local pour. On dit comme si n'a et qui fiable tout et vous n'y a qu'une pour n'adresser question pas que ça donc oui c'est vous y a tout qui parle en pile y a tout dit qui basket fond y a pas tout réticent tout qu'on y a pour débloquer comme ça tout parce que vous n'êtes sur débloquer comme yo dit pas passé genre comme si n'a d'où genre t'arrive je pour t'apprécier y a tout gros problème qui initiative locale justement et nous là d'où apprend là je dis là par rapport à détérioration et climat sécuritaire là pratiquement on ne peut même plus parler de sécurité et c'est dans ce monde c'est extermination ben dire après dans des quartiers donc initiative locale ou bien nous comprenons qu'elle nous comprend oui mais nous pas tout le temps on nous combien de temps qu'on a pour des initiatives de après nous qui nous passer donc c'est normal qu'on y a aujourd'hui là on prive tout le temps mais devant nous on réduit parce que chaque temps perdu moment donc mieux et puis combien de capacités dossier c'est évolué avec évolué. Qui pas mal. Moi, je pensais que je dis là, malgré que je dis là, je pensais que c'est une opportunité qu'on a pour tout résoudre pour ces problèmes au niveau sécuritaire. Pas oublier que l'édifice sécuritaire, nous, on l'a fondé depuis 1986, qui fait aujourd'hui là, autour de son tombé là. La police a aujourd'hui là, malgré le formé depuis 1995, n'est pas couvert tout le territoire. C'est-à-dire que c'est ce communal qui était vide, pas grand qu'il n'y a rien en termes de police, pour qu'on ait de présence police. Donc, ils allaient, je veux dire, qui initiative vous avez pour là? Bon, c'est sûr que je ne vais pas le parler, je vais dire oui, on en fait ça 1, 2, 3, 4, mais je pense que je dis, il y a des gens qui sont capables de faire, par exemple, moi-même, au moment donné, je me suis suggéré que tu as des unités, des éléments que vous prenez dans le PNH, là, et puis que vous avez formé dans le sens, qui t'a adressé ces questions. Parce que je dis, il n'y a pas de problème de police, il n'y a pas de problème de sécurité publique, ou bien seulement, sans problème de sécurité nationale,
Et l'homme de sécurité nationale, une force de police, pas qu'à adresser. Donc c'est ça qu'on est à nous-mêmes, bon côté pas nous. Si par exemple, nous avons une entité, même si c'est sous papier que les l'armée, c'est deux bagages, soit à renforcer avec, bien sûr, et aide et communauté internationale, là, mais avec un plan bien déterminé, et qui pourra adresser le problème non, ensemble avec la police. Mais là, ça qu'on est à chaque fois des missions et souterrain. Donc, nous ne pouvons pas trop élaborer ce qui est l'initiative de la Capricorne, parce que l'entrée du Supreme Royal dans le cadre de stratégie et d'opération, pour ça, pour adresser ces questions, je vous dis à Jean Lier là. Mais l'autre initiative que nous sommes capables de tourner, ça va être de faire un moyen à long terme. Pour nous reconfigurer justement et gouvernance sécurité là en Haïti en général. Est-ce que ça, c'est des éléments susceptibles de ramener la crédibilité nécessaire pour que nous parlions à partenaires, qu'il y ait un respect pour nous et qu'il y ait une compréhension que nous atteignons un certain niveau de maturité? Oui, mais il faut commencer à poser des actions. Pour qu'il y ait accès à un certain niveau d'équipement? Je ne sais pas pour qu'il y ait accès, même pas pour qu'il y ait accès à un certain niveau d'équipement. Parce que, pas oublier, il n'y a pas d'équipement et des armes et autres. Déjà, il y a un contexte officiel, pas à ce moment-là. Il va rencontrer un bon jour à alimenter le terrain aujourd'hui avec des armes qui a pris sur terrain. Ça veut dire même parce qu'on l'État, avec responsable, il faut aussi qu'il faut bien définir qu'on y est là. Il faut être clair avec le national là, mais dans qui sens nous l'aller. Il faut capable de venir au besoin en général. Mais nous ne pouvons pas supposer vivre dans cette situation-là du tout, puisque si on parle de nous, c'est bon, nous sommes un peuple, nous sommes souverains et autres. Faut qu'on logique qui vous êtes supposé respecter. C'est parce que justement, nous pas entrer dans le cadre comme Sinadou, avec nous pas considérer nous en partenaire, nous pas traiter avec égal à égal, en sens comme Sinadou, nous pas montrer que comme Sinadou nous-mêmes, nous sommes seulement déterminés et nous avons une volonté pour avancer. Qu'ils ont reconnu à chaque fois, nous font bagaille, nous commençons et puis nous avons fini. Et puis, ils ont fait expliquer ça avec nous tous, au terrain. Tout ça, nous gardons casé. Donc, nous avons des policiers qui nous ont là, entre guillemets. Ça que j'ai pas écrasé une gazelle. Donc ça veut dire que tout ça, nous avancer, il n'y a pas qu'à faire confiance à ça. Mais pour nous avoir une crédibilité dans parler de là, il faut qu'on ait des gens qui pour en face, qui parlent avec eux, qui disent, écoutez, nous allons aller, sans que nous ne rentrions dans le bas de l'estomac et autres. Ça veut dire que c'est un débat qui est cadre logique, mais comment nous voulons évoluer. Parce que moi, j'ai fait expérience avec eux pendant 7 ans au niveau bilatéral, moi, je n'ai pas aucun problème, je n'ai pas aucun problème, quoi que ce soit tout. C'est moi qui dis, il y en a qui savent pour aller, il y en a qui disent, je vais aller. Mais m'a allé c'est pas vous et j'en pas non selon loi avec règlement c'est aussi simple que ça soit pas du respect de normes avec principe oui nous ne pas faire ça nous pas respecter puisque nous pas respecter constitution nous pas respecter loi nous pas respecter rien mais c'est normal je dis à la dans niveau ça qu'on y a plus réticent encore plus parce qu'il a parlé de sécurité il a parlé de armes moi comprends maintenant n'a vivre une situation pratiquement de siège de la capitale et des centres de pouvoir. Et est-ce qu'il faudrait craindre un matin que bandits, criminels, ont poussé audacieux et saisi les centres de pouvoir? Sont hypothèses plausibles ou pas, M. Anderson? Même dit plausible. Plausible dans la mesure où, dans ces circonstances, nous avons dit là, moi-même, passer autorité au fait pour établir priorité, par exemple, en termes de comment nous sommes capables justement protéger ce pouvoir. Ça. Donc, là encore, il faut que Chita Gounia pour garder contre qui faut anticiper. Et actuellement, je vous pose des questions parce que vous êtes en perspective. Mais vous êtes bien que nous réfléchissons bien. Parce que si nous avons la même réponse avec le même problème, alors, il y a une réponse pour nous, par exemple, mais pour le voir, j'aime résoudre. C'est ça, il n'y a pas gagné encore, non? Il faut qu'au moins nous prenions des initiatives. Il faut que nous audacieux quand même. Il faut que nous créatifs. C'est le moment, ça. C'est le moment pour nous transcender. C'est le moment pour nous faire sacrifice. C'est le moment pour nous créer, je dis à donc, c'est pas arrêté, donc, si t'as la fête politique, c'est cool, l'autre bagaille, ou un, t'as qu'un pays pour voir, c'est pour voir la parler des autres. Non. Je veux dire, à son pays qui est en pire danger, on veut dire, plus que jamais, c'est sécurité qu'on y a nous besoin pour nous y avancer. Mais nous pas arrêter qu'on y a dans la fête pour la fête politique. Donc, pour ça, on va arriver ces questions, hein. On avait ces questions. Dernièrement, tu as parlé d'un forum sur sécurité. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. S'il y a pas un forum public sur sécurité, si tu as parlé de décisions qu'on est capable de prendre, ou bien qu'on a un dégât, ça, je vais nous capable de faire, ou pour vous là, il y a des aspects en question. C'est pas, c'est à huis clos pour vous faire, tu as parlé de sécurité quand même. Donc, moi, je pensais que, et dans le cas, ça a été fait. HCT, t'es fait, et le défi de monter. Bon, c'est non, bon, oui, en quelque sorte. Oui, parce que, bah, ouais, c'est un problème de sécurité à un forum public. On n'a pas eu de sécurité, vous comprenez? Bon, c'est point de vue pas moi-même. Bon, bah, c'est quoi ça me comprendre? Peut-être que c'est pas ça que vous voulez vous-même, vous comprenez? Donc, maintenant, les pas d'un public. Maintenant, on va vous donner une question avant d'aller dans la pause de drapeau. Et
on volait dans la gouvernance, il faut que l'aborder. Force institution dépend de l'histoire, de capacité pour disposer et de ressources qui est prouvée par l'expérience. En illustration, et aux États-Unis, il y a une série de fonctions où tu es directeur général, où tu es responsable et CIA, où tu es responsable des services de renseignement militaire, où tu es arrivé high-ranking member dans l'armée, où tu as des credentials qui ont accès à un certain niveau d'information. Et quand c'est nécessaire, les équipes qui sont sur le terrain, même si elles sont très compétentes, ils font appel à ressources pour aider, parce que un, deux, trois cerveaux en plus, et pas trop pour mieux comprendre et des problématiques, des policiers et joindre des actions concrètes. Et est-ce que, à votre connaissance, sont pratiques qui installées en Haïti? Si oui, depuis qu'il est, sinon, est-ce que c'est dommage? Nous avons écrit ça. Nous avons écrit ça. Nous-mêmes, nous avons pas même une continuité au niveau à faire l'État. Donc, même si on dit l'institution, soit le débat, bon, bien des services, des estimés que. Et faut le faire appréciable. Il est capable de faire, il va faire une bureaucratie, il va consulter les consignados, on les consacre, consignados, juste pour, bon, pas qu'on est, pas qu'à dire pour la galerie, mais quand même, il n'est pas entré dans la culture, nous, qu'on est à bout de ça, au moins pour nous formaliser, nous, dans ça, pas que ça, dans ça du tout, et c'est dommage quand même, c'est bien dommage, effectivement. Parce que, avec idée de partager, ou côté qu'à avancer et plus facilement, ou du moins avec plus de lucidité, tout, non, adresser qui. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. C'est, et son mari qui formel, ou bon amour là, et il y aura un point de vue sur une question, même on parle avec tout le monde qui a demandé, il y a un dit, ouais, mais comment moi, mais comment d'avoir allé, mais qui s'est d'avoir ça a été là, vous Nous comprenons. Maintenant, nous parlons de poser des rapports au retour. Mon dernière question avant de passer d'année. Et malheureusement, ici, nous n'avons pas de timeline, nous n'avons pas d'échéancier pour nous agir. Et il y a plus passé un an de débat fait sur la police, sur la sécurité, sur la nécessité pour passer dans la police en gendarmerie, renforcer l'armée, et qui est traité en parent pauvre et qui est mal aimé, notamment par la communauté internationale, peut-être c'est à cause de son passé et de méthodes utilisées par M. Moïse, le président, pour te remettre le sous-pied. Là, c'est l'autre question. Maintenant, timeline. Qu'est-ce qu'on peut faire entre aujourd'hui à 3, 4, 6, 8, 12 mois qu'on vient là et si on ne pas faire, qui est susceptible de arriver? Donc, ce sera ma dernière question. Après, pose drapeau A pour une carrière perspective. C'est une question en carrière de si c'est à court et à long terme. Ça doit coûter, on peut dire, c'est le problème d'annoncer en termes de sécurité. Donc, le problème dans comment on va résoudre lui. Donc, ça parle de bonne approche ou pour adopter justement et pour adresser. À moyen terme, on là, c'est surtout, et comme si dans l'institution, même je dis à qui la police là, comment ils ont compté. Nous comptons comme c'est une qui orientation nous comptons Bali. Et nous n'avons pas la capacité de police en gendarmerie comme ça. Ça fait nous avons dans le bagaille. Et en termes de renforcement et de la meilleure, bon, même parce que je plus que jamais, nous avons nécessité, je ne sais pas qu'on est là, avec le problème de sécurité nationale qui posait aujourd'hui, au besoin de force de défense. Parce que si on force de défense, il y a une loi qui caractérise ces questions, ça y est, on ne peut pas faire police là, on ne peut pas faire et sécurité publique et sécurité nationale en même temps. Donc, timeline pour qui peut faire, donc, ça va dépendre de qui approche ou qui gens ou avoir des questions, qui va déterminer dans combien de temps même les finir à telle phase dans le plan, et passer en deuxième phase. Mais c'est pas ça, moi. Est-ce que le politique comprend l'urgence là? Est-ce que mon société des affaires là comprend l'urgence là? Est-ce que mon société civile là comprend l'urgence de changer carrément de paradigme, d'être radical dans la façon de penser par rapport à la menace là? Oui, on se dit pour changer de paradigme, alors que le paradigme pour changer depuis longtemps, c'est nous qui avons état. C'est nous qui avons état, et pas changer de paradigme. Non, c'est nous qui avons état pour la question de sécurité. Nous, toujours, elle n'a seulement sécurité publique, nous avons fait de sécurité, toute la sécurité tombe sous dole, sans que au moins, il n'y ait pas une politique publique qui accompagne et tout ça qui est pour le fait. Et en termes de sécurité sur le terrain. Donc, qui vient fait que, on chef la police, très souvent, lui trouve, ou bien, on dans l'armée, lui trouve, lui, avec la police d'initiative, qui va lui conseiller, qui bon, on va dire, là, pas gagner, directive,
et ou pas gagner tout l'on problème de compétence tout l'aime dit compétence ça se concept d'ado et les dégâts dans situation qu'il pas entraîné pour il pas habitué avec lui donc à ce moment là il des fois depuis là mais le mari donc oui est-ce que politique vous comprenez ça m'a demandé ça m'a posé une question ou avait des monde qui comprennent ça au niveau politique mais pas tout le monde au niveau décisionnel parce que les décisions vous prenez de toute façon parce que en dehors de tout aspect question politique moi je pense que je dis à plus que jamais, même le Gosindado n'est pas intérêt, Gosindado fait des politiques de clan, ou bien pour conserver, pour voir et autres, mais vous avez une sécurité posée, la nation est en danger. Et fondement, l'État même, et existence, il est en danger. Donc, moi, je pense justement, question ça, il faut adresser avec le monde qui connaît. Nous pas arrêter, nous disons, bon, la police, 50 blindés, 30 000 fusils, et puis qu'on y a demandé pour. Vous nous demandez seulement qu'on s'est adressé comme ça, parce que le problème, nous l'avons parlé tout à l'heure, l'institution fait face à des problèmes, à des problèmes internes. Parce que l'organe qui s'allie, il y avait des problèmes en dedans pour ça, pour qu'on parle. Moi, je pense qu'il faut adresser très bien, oui, et il faut adresser le bien, puis qu'on a pour qu'il y ait des problèmes de sécurité, ou problèmes de sécurité qui présentent devant lui. Mais l'on pas gagné tout le bagage, ou ce qu'on va le faire. On va l'investir, et temps, énergie, dans une institution qu'on a qui va avoir des résultats pour ta. Pour ta supposé, et c'est ça nous avons dit là, ou que nous avons gagné 50 000 blindés, 30 000 policiers, depuis ce stratégie, pas bon, ou avec le problème. Ou que problème. Maintenant, est-ce que nous avons les compétences supérieures, je dis, parler au niveau des cadres supérieurs qui pour une réflexion à la fois stratégique, tactique, normative, et n'a pas parlé là. Est-ce que ressources humaines, nous avons parlé de monde mi-temps, de monde base, policiers, inspecteurs, est-ce que yo parlé pour yo faire bataille ça? Et dernier point, hein, c'est que je dis à les rapports où elle noir sur blanc que ont besoin de vetting, que y a des membres de la police qui n'ont gang et gagné clairement une institution qui infiltrée de l'intérieur par les cartels de crime organisé, par les cartels de drogue, par des mondes qui n'ont grand banditisme et est-ce que, je dis, il faut une baguette tableau ça pour nous dire comment aborder de manière intelligente? Parce que, au final, effondrement l'État, effondrement institutionnel là, il fait affaire, monde qui a trafic de drogue, monde qui a trafic d'armes, monde qui a corruption, monde qui a besoin de l'État, comme ça, pour qu'ils soient toujours occupés des fonctions politiques et pour eux et pour clan. Et qui côté parti saine ça doit sortir, qui peut émerger avec et radicalité ça, volonté de transformation ça, et nous sommes seuls. Bon, là, disons, c'est un problème qui est complexe dans le terme de changement de paradigme ou bien changement d'orientation au niveau de la police. Là. Effectivement, on a besoin de 2-3 cadres dans la police là, qui a réfléchi, ou on a besoin avec des bagailles comme quoi, et sous papier, et puis qui a aidé, qui a pris en perspective, comme si on a dit, en termes de changer d'orientation institution. Mais pas toutes quand même. Parce que pour regarder, qui sa institution, qui sa fait force li, c'est respect et règlement interne avec tout ça, les loyaux. Mais je veux dire, là, avec une force police ou bien comme ça, quand que, par exemple, ou même pyramide hiérarchique pas respecté, c'est que ou pas qu'être monde qui arrive dans ces deux positions qu'on y a là, qui pas, qui peut couler, qui peut au bout de arriver, mais voilà que qu'on y a pas pris au voilà. Mais qui sa ou une qu'on y a pas, il pas une capacité pour comprendre même dimension, poste que l'a occupé. Donc, je veux dire, aucun problème, ça, oui. Le problème dans lui-même, son problème de qualitatif, tu nous avons un déficit qualitatif, justement, ou manque de formation. C'est un problème qui posait. Donc, je dis là, qui sont prêts à le faire pour adresser le problème de sécurité, pour adresser de manière institutionnelle, et puis avec tout ça, ça a demandé. Donc, faut qu'on pourra adresser ce problème-là. J'ai résolu le problème de gouvernance interne au niveau de la police-là. Même c'est pour ça, même mal pour lui. Problème vetting, problème monde qui est filtré dans ces bagailles. Qui va permettre de proposer des actes, qui va envoyer des signaux, justement, qui va le montrer, qui va montrer, qu'à partenariat, que, ou bralé, n'a qu'une direction ou bralé. Ça veut dire, nous allons normaliser le fonctionnement institution. Je veux dire, qui pas normal. Et, donc, ça veut dire, je dis à la problème interne, gouvernance interne, il y a eu sous et stratégie, PNH la prend pour n'aborder qu'à résoudre le problème sécurité. Et puis, on a des listes, quoi, outils, tout. Et nous, même pas ces polices-là, suspendent proactifs, les réactifs. Ça veut dire, qui ça fait? Et je dis à, on fait toute opération, ça, et puis, on n'a pas réussi.
Parce que nous avons un problème. Depuis la police vient en face pour faire opération, l'opération y a fait là, ça veut dire son problème de prévention posé parce que justement, il n'y a pas chita sur prévention qu'on y a pour éviter faire type d'opération ça ou bien répression. Donc si la police n'a pas parlé, il n'y a pas pour actif, donc c'est normal que bandit a va les terrains. Il a fait carré va les terrains tout le temps que la fonctionne dans la routine. Donc je dis là, justement, nous pas qu'à adresser question sécurité à ça que Kounia ne va adresser problème gouvernance interne et institution. Mais qui vient de avancer Kounia? Il faut le faire avec ta campagne d'éducatesse. Et moi, je pense que je dis franchement, il y a des barrières qu'on ne peut pas faire pour tout. Au niveau ça, on ne peut pas faire pour tout. Donc, bon expertise qu'on pas gagner au niveau vetting et autres, ou on a besoin quand même d'une assistance technique qu'on a pour avancer là-dedans. Et même d'avant, il y a tout qui va le dissuader, tout le monde qui va le concerner. Et puis, pour que le cahier doit avancer, parce que si pas ça, la peut exploser, si je la craser plus que j'en ai dire. Ok. Et là? Robertson, par contre, vous avez une autre question. Moi, j'ai plusieurs questions aux auditeurs. Mais avant de nous passer avec les questions aux auditeurs, tout à l'heure, Robertson, vous avez posé déjà la question. Et sous question HRC 1, 2, 3, qui s'est que tu as fait? Moi, j'ai en 2005, et le, où on est monté comme directeur général de la police nationale. La police a été dans une situation extrêmement difficile avec plusieurs centaines de policiers qui étaient désertés après l'événement 2004. Il y a des policiers qui étaient très politisés. Et c'était dans le contexte et opération Bagdad et également. Côté la police là, ben lui-même, il était très sollicité pour le mettre la paix, mais en même temps, il était très ciblé tout par rapport avec les gangs armés qui étaient campés dans une partie de cette ville là. Et dans cette soleil, quelle stratégie vous mettez en place pour restaurer la police nationale d'Haïti avec des centaines de policiers qui étaient démobilisés et d'autres qui étaient politisés, qui étaient des affiliations politiques? Et quelle stratégie tout vous mettez pour être capable d'établir la paix et de quartier? Est-ce que vous pensez que stratégie ça est toujours d'application dans le contexte que nous avons parlé là? Bon, ça a été adopté. Nous avons changé l'approche là. Au lieu que vous n'ayez pas de snal faire opération dans le quartier, vous avez dit, demandez pour les policiers, vous parlez dans un temps encore, quittez les autres, non, les vous allez m'a dit. Donc, l'approche est devenue une approche bon, communautaire, quoi, une police de proximité, qui est supposé un cadre normal de fonctionnement de la police, parce que la police n'a pas fonctionné pour n'y a pas, il n'y a pas qu'à exister pour n'y a pas sans population. Hein. Donc, d'abord, nous devons vous gagner confiance, vous gagner confiance pour n'y a pas, vous devons vous acte. Vous n'êtes qui implique dans ce débat pour n'y a pas, vous voyez en clair, vous allez faire pour n'y a pas, vous voulez loi, vous voulez règlement. Donc, il faut au moins gagner et ça, pour corriger des rives, il faut des sanctions. Donc, laisse à Kounia tout, ou on forme de transparence, tout Kounia, pour sortir la question qu'on fait, de questions à un moment. Ça veut dire, la foule policière tombe dans le magasin, Kounia, pas de tomber à l'an Kounia là, ou simplement Kounia, vous sanctionnez, et puis tout le monde connaît qu'elle est sanctionnée pour ça. Et puis, vous prenez des mesures à l'interne pour capable, justement, et redorer blason la police, puisqu'il y a des problèmes et de confiance de la population. Donc, au fur et à mesure, c'est bon, qu'a fait du jour au lendemain, mais c'est au fur et à mesure qu'on a chaque fois signal, ou vous voyez signal pour ça, on va arriver par regarder confiance de la population. Et c'est ça qui est arrivé, nous. L'homme monte, m'dé provocatif tout dans ce sens. M'dé provoquer et débat dans ce sens. M'dé monte carrément dans la radio, m'dé m'bavé policial dans Cité Soleil, à quelqu'un côté qui est mon héros. Mais m'connais ça t'a fait débat parce qu'il est habitué avec ça. Mais même si ça m'dé le même, donc l'homme dit ou pas aller, qu'on y a, m'expliquer pourquoi ça m'a voulu aller. Parce que non seulement, un, il n'a pas formé pour ça, deux, il n'a pas arrivé à faire des dommages collatéraux, il a même dit qu'il y a victime, pas pour qu'il y ait aucun monde à la victime. Non, forme de bataille qu'on va entraîner pour lui, puisque c'est que les troupes, même qu'on est. Donc, même penser que l'approche, ça a été bon. Je veux dire, est-ce que l'approche, ça lui-même, est valable? Mon cher, m'gadou, bon, bah, il va parler de ça, mais pas grand-chose qui va possible, là, je veux dire. Tout va être toujours possible. Ça, c'est pas de jour à prochain, là, ça va être nous. Peut-être que je veux dire qu'il y a plus d'âmes, il y a plus de quartiers qui ont un problème et présence gang là-dedans. Mais approche toujours qui est possible, tout du moment que l'État comprend dans quelle image qu'on peut aller, et que qu'on y est là, et c'est pas tout le monde qui est dans la zone sahéo qui est bandit, il faut qu'on voit ces questions. Donc, même c'est sûr que je suis capable de faire le même genre de défaite en 2007, là. Mais de toute façon, quand même, je suis capable de faire. Ok. Et deux questions auditeurs. Et un auditeur qui dit non, et il constate, et ça tout le monde fait constat, et chaque promotion dans la police là qui fait que sorti, et policiers comptent jusqu'à 5 mois pour recevoir premier chèque. Est-ce que ça n'a pas incité et n'a fait magouille de recevoir et l'autre cob ou bien à la mauvaise affaire? Et puis, dans même sens, il dit.
et nous constatons tout dans chaque nouvelle cohorte de policiers qui graduent, qui mettent dehors, eh ben ça prend plusieurs mois pour y recevoir pistolet. Par exemple, dans la dernière promotion là, ils ont commandé 1000 pistolets, c'est seulement 250 et qui arrivent. Et son bail qui récurrent, qui ça qui selon même expliqué où est ça? Mais c'est pour le gouvernement canadien, c'est pour le milieu de gestion qui fait tout ça à privé. Bon, la vérité, moi, je n'ai pas de problème. Ça, du tout, au Google, parce que je suis conforme avec la procédure, quoi. Donc, je ne suis pas capable de me dire, il est en train de faire des matchs pour me faire aux âmes. Et bien, je fais des billets à l'avance pour les sortir qu'on y a pour me faire utiliser. Effectivement, au Google, ça, et je dis, ah, ou elle est récurrent, et pendant un il est récurrent, il fait que, et ou pas gagner, c'est parce que, justement, qu'on y a là, on manque de contrôle sur, ou pas gérer les ressources ou bien. Donc, si vous ne pouvez pas gérer, c'est un déficit que la police a gagné, que ce soit patrimoine de la police, là, ou bien que ce soit faiblesse moins matériel et physique. On trouve tout le monde de problème, ça. Mais ça, c'est plus important, je dis, là, on ne peut pas parler de cohorte de policiers. Mais est-ce qu'il y a un public là, intéressé avec connaît quel type de formation les policiers et la police allaient rentrer pour qu'elle sorte de la police. Donc, quel type de police vous gagnez qui va servir la société là? Donc, depuis, nous gagnons 30 ou bien 32, je ne sais pas, et 31 ou bien 32, pour nous sortir déjà. Donc, nous regardons, nous apprenons globalement en termes d'évaluation, qui ça, les résultats, les bails. C'est-à-dire qu'on y a l'approche ou changer, pas quoi ou changer. Parce que moi-même, quand je me suis attendu le matin, c'est qu'on s'est dit, on a formé des militaires formés, finalement, on va voir évoluer. Eh bien, approche, ça n'est adressé, le bonhomme de là, mais il était toujours en réticence par rapport avec, à l'interne, et toujours, même au niveau international. Mais, par rapport à la police, c'est qu'on y a d'abord, depuis, il me fait 6 mois de formation, il me fait 6 mois de brumille. Il est frustré dans la formation que la police vend dans l'académie. Même pour le manger, comme si on a double à le manger, il y a brumille pour le manger. Et puis, au lieu que d'acheter un après une faire médiation, comment on peut dire, pour le public là, et puis, il y a brumille, il est frustré. Nous, on l'a appelé, après mieux dans toute bagarre. Le problème, c'est que je vais dans le fond. Mais si on fait gendarme, on fait gendarme. Si on fait police, on fait police. Donc, même si même la façon dont vous marchez, vous pouvez vous appeler Pio, vous appeler Pio même avec Nazi, ou terrain, vous appeler Pio même. Prise. Ce sont des bagarres qui étaient là, les 1954, qui ont été hérités de l'armée, et puis tout a continué, et continué sous même lancé. Alors que la première police, il nous était allé, il était marché comme ça dans l'époque 1954 après l'occupation. Il va marcher comme ça encore aujourd'hui. Mais vous allez obliger que même là, on a pris les pieds 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et puis on a fait des gouttes. Ce n'est pas normal. C'est la police qui a fait. Ça veut dire que les gens entrent pendant l'institution, l'ont formé pour devenir policier, sur ces citoyens qui viennent pour le policier. Mais si les gens sont sortis, ils sont plus frustrés pour nous là. Et puis c'est normal pour nous, pour le public là, pour la population comme ennemi. Parce que l'armée, c'est comme ça qu'on forme. L'armée, c'est comme ça qu'on forme. L'armée forme comme si vous battez avec ennemi. C'est pas bon, c'est une population. C'est contre ça qui existe pendant l'armée qui existe. Pendant l'armée là. Et puis, il fait que des derniers qui ont reçu une formation militaire. Et puis, qu'on y a qu'à faire sécurité, qu'à établir l'ordre de sécurité dans la société. Mais c'est normal, vous ne pouvez pas faire ça. Violation de droit à monde avec ce que ça n'a rien. Je dis, justement, si vous n'avez pas les deux, voilà, qu'on a fait un divorce avec ça, qu'on a dit, OK, on a une police là, ou l'autre orientation, c'est à partir de formation. C'est à partir du corps de policier. Donc, je dis, là, soit formé pour vous militaire, entre militaire. C'est la forme policier, entre policiers, mais qu'on y a fallu répondre avec 1, 2, 3, 4, mais qui vient pour former policier. Donc, on va pas former mon nègre, puis qu'on y a là, m'a dit, fierté pour Haïti, pour la manger, qu'on y a, comme si on a tous ces cadeaux, c'est un mal à faire, qu'on y a, c'est un phare à faire. Mais là, c'est entre les policiers, vous payez, mais comment, man? C'est ça, c'est problème. Là, moi, je pense que société a tout. Ça veut dire, le monde qui est intéressé à la question, Il n'y a pas justement pour comprendre ou bien connaître, il n'y a pas chercher à connaître tout fonctionnement institution. C'est normal pour avoir une information sur ça. Si on a dit pour le public, il y a un peu qui est caché. Donc là encore, les gens qui sont pas qu'ils lient, ils entrent dans le cadre justement pour comment ou pral changer gouvernance sécurité dans le pays. Mais si vous n'avez pas changé les vidéos, vous avez même la formule, le même outil, là, bon résultat. On va finir le problème pour la sécurité à Rodia là, ou bien après de résoudre. Mais demain, si tu veux, on va faire face à même problème là encore, parce que justement, ça, nous ne pas corriger. Et on va pouvoir conseiller les gens à chaque fois, on prend responsabilité pour te faire rentrer dans le cadre de l'homme, pour prendre respect de la loi, respect règlement, ou bien politique à manger, ou bien dans le monde qui va parler de nous, policiers pas d'accord, et bien, c'est pas comme ça fonctionner, c'est chef. Donc, il faut que nous retirions la mentalité chef là, la chef nous tout.
ou comprenez en garde de façon à ce qu'il y a nos vignes sociétés qui vivable mais tout temps pas rien comme ça tout gain problème on va pas là voilà parce que même gros problème on ça n'a pas dire parce que c'est libre l'homme de là il était présenté le malgré ces questions mais comment nous là aller monsieur en situation de faire mon marché mais l'olive puis au blou 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 là pas problème ni même mesdames le pas faire ça pour avec blanc mieux qu'à marcher normal pour qu'ils aient oublié faire ça lui ou ça lui gros militaire. Comment, man? Ou après, c'est une forme de militarisation qui commence dans la police, là. Sous la donne Robert, sur nos changés. Ça veut dire que c'était, il qu'on commence depuis dans un 98, côté, 96, bon, au début. Côté, c'est n'est nous-mêmes anciens militaires qui étaient dans l'ennoué où nous saluer, et puis tout le monde était exigé qu'on y a pour tout le monde saluer, nous j'avais militaire. Mais, comme si tout, nous pas divorcé avec pratique. Nous écrivons même tintin, même bagaille, et puis nous fait même ouais. Donc, je dis à même passer, pour question de sécurité, il faut qu'on adresse la gouvernance interne de la police, là. Faut qu'on, non seulement, adopte, il va pas changer, non? Faut qu'on adopte, et nous, un nouveau paradigme. Nous, on va adopter, nous, en 13 ans, état, nous, on était nos conceptions exclusives de la sécurité, côté que cette force-là, qui a baissé sécurité. Et puis, pendant ce temps, on a, au bon problème de cohésion dans la stratégie opérationnelle, yo. Au bon coup, de diluité personnel-là, et puis, on duplique tâche, ou on a des unités qu'on y a là, qui a fait même travail-là, et puis, des trois unités qui a fait même travail-là, pour savoir qu'on seul. Donc tout ça c'est le problème de gouvernance là, qui bat ça aujourd'hui comme problème de sécurité oui et la gouvernance interne à la police seulement non gouvernance interne globale ça veut dire politique yo par la haute détache par les dimensions pour comprendre ça relé et sécurité en nos pays ça relé comme c'est le fonctionnement institutionnel en nos pays. Mes amis attendez ça ou c'est haïtien ou remé pays et puis on agit. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le faire débat.